Salut tout le monde, c'est Silent et on se retrouve de nouveau sur Binding of Isaac, comme d'hab. Pour le moment, je m'éclate bien sur le jeu, je suis en train de faire tous mes petits runs. Alors, on va faire une Azazi. Je pense que ça devrait être pas trop dur, ça devrait se faire assez rapidement. Et du coup, on pourra peut-être enchaîner avec le dernier perso, vu que j'en ai fait 3 là pour le moment, je crois. Mais c'est marrant, comme je l'ai dit, j'ai fait 4 win streak, donc quel était le perso que j'ai fait avant? Ça pourrait être validé. Alors, on va éviter de prendre tout ça, parce que ça pue la merde. La remote control, je sais pas vraiment ce qu'elle fait, mais de base, je crois que c'est des trucs pour des téléports ou autre, donc je suis pas très motivé de prendre ça. Ça a pété ce machin, donc restons loin. Tac. Écoute, c'est excellent. Moi, je prends, franchement. En plus, faire les 4 cavaliers de la peau, c'est bien aussi en soi, c'est pas dégueu. Moi, j'aime bien. Donc, on valide. Ok, hop, le queue marqué, on va le faire péter du coup. Ah, la frustration. Ok, cool, plus frustré. Et en plus là, damn, le triple sauler d'un coup là, putain. Je peux déjà vous dire que la run là, c'est plié. Hein. Là, quand ça commence comme ça, c'est que c'est déjà violent. Putain. Premier étage, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cœurs. Ouais, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 7, 7. Ok. Pas trop la bombe, c'est excellent ça. Bonne idée. Ah, je fais n'importe quoi. Hop. Et on y va. Pour essayer de find la salle secrète, mais. Ah, ça vaut pas la peine là pour le moment. Et si vous me gardez une bombe de côté pour les KO marqués, je préfère, je trouve ça plus intéressant du perso. Alors les troll bombes, c'est un peu chiant surtout avec ce genre de salle. Ah, je l'ai fait dans le mauvais sens. Ah là là, faites-moi ça. Bon, on a des bombes pour toute une vie maintenant. Ok. Excellent. On n'a pas de clé par contre, c'est un peu plus chiant. Voilà, quand on parle du loup, merci. Heavy High, High Shot. Je vois pas trop ce que ça fait, mais ok. Cool, des clés encore. Donnez-moi en tout plein, hein, moi je prends. Hein. Ok, hop. Ok. Bon, maintenant réfléchis, t'as beaucoup de bombes, tu veux trouver la salle secrète quand même à un moment. Ok. Pour aller au marchand gratuitement, en pétant là. Ouais. C'est pas fou tout ça. On va se barrer, hein. Ça sert à rien de rester plus longtemps. Tac, Widow. La Jumpy Widow, ça la rose, hein. Ok. Qu'est-ce que tu m'offres? Rééquilibrage de stats, vas-y. Plus de dégâts, plus de luck, 15 tirs augmentés. 15 tirs et plus de dégâts déjà, c'est excellent. Guppy Spot, ça sert à rien. Bon, on peut prendre ça, de toute façon on aura assez de cœur, donc let's go. Let's go. 4 minutes, 2 étages finis déjà, ouais, c'est pas mal hein. No. Tac, coucou, au revoir, on ouvre ça, bam. On a assez de pièces pour aller au marchand et trouver quelque chose d'intéressant potentiellement. Ah, le build est vraiment très bon, juste avoir le Book of Revelation déjà sur Azazel, c'est excellent quoi. Bon, ciao. De toute façon, le Book of Revelation de base c'est un très bon item sur la plupart des persos, hein. Franchement, toutes les 6 salles avoir un Soul Alert gratos, Mamzai, ouais bon. Ça marche à chaque coup, oui. Moi ça a l'air de marcher à chaque coup, donc ok, c'est validé. Moi ça protège mon boulard quand je fais des conneries. Allons voir là.
J'ai bien envie de faire péter ça pour augmenter les chances de Satan déjà. Et je sais plus ce que c'est ça. Emergency contract. Emergency contact. Je sais plus. Et plutôt vers le bas de la salle secrète, du coup juste là. Avec potentiellement l'autre qui est juste en face. No. Allons voir ce qu'il nous propose. Excellent. Merci. Alors, j'ai la peau, hein. Obligé. Donc hop, le Cube of Meat va evolve. Bam, bam. On va prendre ça. Et puis ça ou pas. C'est un peu risqué de passer à un point de vie, hein. Vas-y, YOLO. Pour le beau jeu, je nique ma win streak. Pour le beau jeu, je nique ma win streak, c'est vraiment ça. Alors, prendre des salles qui sont un peu plus petites. Alors, ça c'est un peu l'enfer à tuer, donc on va se cacher derrière les champignons. De toute façon, on a le Super Meat Boy fake avec le Delirium qui faisait un peu le taf là. Ok. Alors, on va voir ce que c'est la room avant. Ça paraît d'un truc très difficile. Aïe 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 aïe, ok. Je vais pas faire le fou, on va faire ça. Daddy Long Legs. Ok. Alors, on va faire péter ça. Si jamais, avec un peu de chance, ça peut le faire. I found pills. Ok. Ah, ça en fait 4 d'un coup, c'est pas mal aussi. Chiant. Chiant, 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 mais c'est pas le pire. Faut me faire toucher, et eux ils tapent déjà un 1 normalement à cet étage, hein, donc faire très attention à eux, ils rigolent pas du tout. Shopdawoop, non 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 non, il nous faut des cœurs, on a déjà fait trop de pactes. Je suis déjà assez mis en PLS comme ça, donc on va rester avec le book. Et puis dans tous les cas on a envie de max le Super Meat Boy, hein, super important. Alors ok, c'est pas fou mais prendre ça pour 3 pièces c'est pas mal. Waouh. Bon alors ça. C'est le truc qui fait les TP ça. Ouais. Wouhou. Excellent. Vous pouvez prendre de nouveau ça. Ça. Yes, 5 bombes gratos du coup. Non, ça donne pas des bombes gratos. Oh merde. My bad. Le Book of Revelation, ça augmente les chances d'avoir Satan. Je savais pas ça. C'est encore mieux que ce que je pensais. Là, le gift, vas-y, on va le prendre. Hop. Ouais. Ok. Bam, allons-y. De base, je vais snipe une blank card, mais de nouveau, si après on a pas de sun, ça sert strictement à rien. Est-ce qu'on a la salle de ray maintenant? C'est le seul truc que je me pose comme question. On va déjà faire le boss. Je sais pas. Devant, allez hop. Cool, 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 cool. La range supplémentaire et les dégâts supplémentaires, c'est excellent. Ah non, c'est la vitesse de tir, hein, donc c'est pas utile pour lui. Mais c'est pas grave. Je suis pas sûr que j'ai eu la salle dorée là dans mes souvenirs. Je crois. Elle était par là, genre ici. Ouais, elle était là-bas, c'est bon. Hop, on l'a eu. Le marchand l'a eu, on se barre.
Ah, des fois il faut des petites remémorations du cerveau là qui est en mode je suis pas très sûr. J'aime bien le petit bébé délirien, mais il est cool. Hein. En plus j'aime bien, ils se sont vraiment fait chier à redesigner tous les persos quand même, juste pour ce bébé. Hein. Ah, franchement c'est du bon boulot ça. Allez, on fait péter. Non, 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 non. Ouf. Ah. On a fait la salle du boss, je suppose. C'est pas forcément ce que je voulais. Ah merde. Chiant. Écoute. C'est pas grave. On pourrait faire le boss déjà, d'ailleurs. Ouais, on pourrait le faire. Hein. On a un écran, c'est ça. Hein. Enfin, Depths. Ouais, Death One. Bah, go, on le fait. On a déjà claqué notre book, donc normalement ça devrait être un révélatoire. Ok, allons-y. Non, non, ça vaut pas la peine. Là, pour le coup, c'est un truc qui vaut pas la peine. Le Book of Revelation, c'est plus intéressant. Alors, bah. On a fini notre Super Meat Boy déjà. Maintenant qu'on a commencé, ce serait bien. Lock up. Ah. Attention. Ah, une mouche qui crée des mouches. Excellent. Hop, point de vie supplémentaire. Let's go. C'est le secret de trouver. Bah, merci la bombe. Hein. Alors, ce qu'il y a là-dedans. Ça vaut pas la peine, je pense. Au point où on en est. La run déjà excellente. Ok, Therapies, non merci. Bah, du coup, vu qu'on a pas besoin de ça, on peut les convertir en clé. Voilà. Allons tester le reste. Amnésia, non. Ok. Retro. Aïe. Bon, au moins ils vont éviter de me tirer dessus. Allez, butez-vous. Il y a une clé qui est tombée, je crois, dans une pièce. On a assez de clés, je pense. On peut forcer le marchand. Vas-y, on fait péter ça. Encore un coup. Allez. Ouais, et du cool, mais bon, on n'a pas les thunes, hein, donc tant pis. Le boomerang, ça va rien, il est à moitié prix, mais. J'en faire quoi? Je préfère mon Book of Revel à nouveau. Et puis, ça me permet de. D'avoir mon Super Meat Boy maxé. Vas-y, on fait péter ça. Je sais pas pourquoi je veux le tuer, mais je l'ai tué. Ça, on va récupérer The Fold, ça peut toujours être utile au cas où on a besoin d'un Panic Button. En plus, voilà, la salle dorée, bam, et bam, metal plate. Alors, ça c'est un truc encore, je sais pas vraiment ce que ça fait. De nouveau, hein, si quand je dis que je sais pas vraiment ce que ça fait, n'hésitez pas à juste citer le nom de l'objet dans les commentaires et me dire, bah ça fait ça, comme ça, je le saurai pour les prochaines fois. Parce que j'ai pas envie de checker à chaque fois sur internet pendant que je fais une vidéo, je trouve ça complètement un peu, bah, débile quoi. C'est pas très intéressant pour vous en fait. Que j'aille voir et je me dise ah ok ça fait ça. On le ramasse parce que de toute façon il y a pas de malus dessus. C'est pas un cursed eye. Donc voilà. Alors deux clés pour ça. Ouais pourquoi pas. Retro. Ah cool. Écoute on va tester. Ouais. Bon. Au moins un c'est pour le marchand. Disons ça. Hop. On n'a pas des masses de dégâts. Hein. On en a, mais c'est gentil quoi. C'est vraiment gentil gentil. Hein. Ah là 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 là. Des clés, des bombes, toujours bien d'en avoir. Un petit peu trop rapproché. Ouais, est-ce qu'on est vraiment en zone rouge là pour le moment? Ah, c'est plus que tranquille. Hein. Faut pas se mentir. Ok, on a trouvé. Bon, je choper la salle dorée et le marchand parce qu'on a assez de pièces. Ça peut être intéressant. Et puis on a assez de clés pour la salle. Donc, y a pas de quoi partir directement là. Ok. Ouh.
Alors on descend, est-ce que je me reroll? Je pourrais hein. En soi, on est assez safe au niveau du build. Je vais trouver la salle d'or avant, voir si c'est intéressant de prendre l'objet pour le reroll ou pas. Et ça on va le faire. Et pareil la mouche, je faisais même pas. Alors par contre je sais pas si ça reroll les cartes qu'on a sur nous, donc je la déposerai à l'extérieur la joker parce que bah pas la perte comme vous pouvez vous poser la question hein. On va faire péter ça. On va prendre un petit family en plus, le king baby. On va reroll. Il y a la blanche card aussi, il y a la blanche card, il y a la blanche card les gens, il y a la blanche card. Mais j'ai pas la carte. Ah là là. Picking Shears. Picking Shears, je veux bien le reroll. Ok, on va faire un truc, on va déposer ça. Ça, on peut le reroll. Je sais pas si ça reroll aussi les trinkets et tout, donc. On va prendre ça, voilà, au cas où ça peut le reroll. Et on y va. Ça fait quoi? Retro. Bah, vas-y, on va deplete la rétro plutôt. YOLO! Ah non, pas ça! Ah non, pas ça! Ah non! Ah non! Bien le cœur noir. Ok, bon. Ah, ça reroll toute la map aussi. Ok. Bon, bah maintenant je suis au courant. Ah! Glass Cannon, ok. Ok! Bon, très bien. Du coup, ça m'a fait une clé à cet endroit. On va la récupérer. Ça va faire un coffre. Ah, par contre, là, les petits trucs gravitationnels, c'est un peu chiant. Mais bon, ça va le faire. Méga larme, hein. Ouais, c'est ça. Ok. Ah, je sacrifie tous mes points de vie pour faire ça, c'est vrai. Oh mon dieu, je me fous dans une merde monumentale en fait là. Oh là 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 là. Le glass cannon, c'est pas bon. Ah putain, quel enfer. Là, je commence à avoir un peu les boules maintenant. Bien, jouons bien le beau jeu. Bon, clairement la pola. Et je pense que j'allais voir ce que l'on je me propose là. Vu comment je suis, ouais, c'est clairement mieux. Merci, Mr. Angel. Allons voir ce qu'il y a là. Non. On y va. Alors Glass Cannon, c'est un nono. Là franchement non. On n'en veut pas. C'est marrant qu'il y a eu l'ange qui a ouvert ses portes en même temps. Je saisis pas tout là. Là je saisis pas tout. Putain, on a vraiment une range mais éclataxe là. Allez. Allez. Eh ben. On peut lui donner, on a rien à faire de notre pièce. C'est quoi, on va le prendre parce que j'ai pas de cliquer par erreur sur l'autre merde, donc voilà. Hein. Allons-y. Un petit peu dessus.
Bon, l'avantage c'est que je peux taper en diagonale, du coup ça empêche pas mal de boss de me toucher. Bon, ça augmente la cadence de tir, c'est pas mal. On va passer à l'étage suivant, et on a rien à faire, on a rien à faire en restant ici, donc passons à la suite. Hein. On va aller le casser ce machin. Ah merde, c'est la version. Chier. Ah les bombes prized, ok bon bah ouais. Super le coffre hein, franchement je suis content. Ouais bon bah prenons ça, barre-nous. Aïe la panique. On a la stopwatch hein, du coup vu qu'ils sont tous slow hein, je crois hein. C'est la Broken Watch vu que ça proc de manière aléatoire en rentrant dans la salle. Je sais pas si ça proc ou quand je me suis touché ou. Void. Ça détruit tout pour les convertir, vas-y. Bon, en mouche. Ouais, maintenant je me souviens que c'est pas ouf. Ok, une clé pour le chest, c'est bien. Pilule. Ah mais c'est vraiment ce qu'il me faut quoi. Trop satisfait là. Ouais ça sent pas bon la cathédrale avec 3 coeurs, ça peut vite être la merde. Surtout avec ma range éclatée là. Ah 2 of spades. Ok on a une shit clé mais là... Vraiment, on peut en faire grand chose, faut qu'on arrive jusqu'à ce chest et après ça peut le faire. On n'a pas forcément des pilules de fou hein, dans cette run, hein. C'est toute la merde. Il y en a 2-3 qui sont cool, mais bon. Oh, est-ce que ça peut me libérer de cette merde? Ouais, ça le fait encore plus. Un peu plus en avant, j'ai l'impression. Ouais, bon, testons. C'est pas fou, mais. Merci pour la bombe qui me lâche une bombe. Comme d'hab, on a pris tous les mauvais chemins pour changer. Ouais, je joue un peu safe hein, parce que je suis pas très confiant là, je vais pas vous mentir, je suis vraiment pas très confiant. Le Glass Cannon m'a mis dans la merde. Ouais, là on a la Broken Watch. Bon, avec la Broken Watch, ça va le faire en soi, je pense. Cool, excellent, je pouvais pas demander mieux. Ouais, ce genre de salle, on va les éviter, hein, c'est pas le moment. Continuons, ok. C'est de bombe 2, ouais. Hein. Bon bah, let's go. Hein. Ok, dodge, très bien. Ah, on a pas une range de fou. Hein. Ça m'aide pas forcément ça. Aïe. Ah là ça a pas forcément aidé hein. Putain. Ah slow down ce boss, c'est un peu. Ah le gros chargement de l'enfer. Ça c'est parce que quand Hush il ouvre ses portes, ça fait lag et ouf le jeu, je sais pas pourquoi. On va aller récupérer un petit cœur. Quoique je devrais même pas en fait. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est fait. Ouais, là... Isaac. 3 cœurs, la cathédrale. Je me fais pas de soucis pour The Chest, vu qu'il y aura pas l'un de coffre sur le chemin, mais la cathédrale, là... Ça peut être Tandax, hein. À tout moment, la game, elle est finie là-dessus, hein. Bon, aussi, là, excellent. Puberty.
Amnésia, on va éviter de l'utiliser. Merci pour la salle secrète, c'est cool. Cool, mais on va pas le ramasser dessus parce que j'aimerais bien qu'il y ait un cœur rouge à mettre dedans. Ok, là on peut aller le prendre. Bam, bam, bam. C'est un peu mieux. Ok, au moins on a trouvé Isaac rapidement, c'est cool. Ah mais il tournait autour de moi. Oh mais quel enfer. Oh là 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 là. Claquer maintenant, moi je claquer à The Chest comme un débile. Je me connais trop. Mais la Bob Schlossenhead qui m'a spin autour de la gueule, ah, franchement pas cool quoi. Ah là là, on a une range de cul les gens. C'est le truc le. Ok, encore quelques coups. Les familiers font le taf. Je vais voir si c'est un cœur rouge qui avait drop dans les petites salles. Je crois pas. Hein. Bon, allez, go the chest. Ah, je suis un peu tendu, hein. Je vais pas vous mentir, le build, il est passé de excellent et depuis que j'ai fait le glass cannon, t'es dans la merde. Alors, je sais pas ce que c'est ce machin, Lil Spewer, ok, Lil, until the end, ok, ok, illégal. Ça, ça fait quoi tout ce machin? Oh, ça les renvoie en avant. Oh, oh, j'ai enfin une vraie brimstone. Oh, mais quel plaisir. Game kit, ça peut me sauver le cul. Et en plus ça me soigne quand je bouffe les gens je crois donc. Par contre quand j'ai pris la salle la plus grosse d'entrée, je suis un peu un débile. Pas m'en vouloir hein. Ça c'est le cerveau qui est dysfonctionnel. Et on va tuer lui d'abord, il est plus simple que l'autre machin. Oh là 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 là, la brimstone. Boucle, boucle. Recharge ton truc. Ouais, on n'a pas besoin pour le moment. Oh là là, ça fait trop plaisir d'avoir une brimstone là. Ça change tout, ça change vraiment tout. Ok. Oh là 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 là. From impossible to possible. Ok, Revenge Fly, cool. Tant que c'est positif, on est content. Ouf. J'en save, ça va le faire. Bam, salut. Non. Déjà c'est dans la merde, j'ai pas commencé à prendre des locusts là qui vont juste me flinguer encore plus le cul. On a déjà pris assez de
comment dire, de risque dans ce run, je crois. Hein. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Pour le beau jeu, on a fait un full reroll. Ah, la mythe, ça fait longtemps, putain. Merci pour la salle secrète, c'est cool. Bomberman, j'oublierai pas ce que t'as fait. La salle secrète, ça me fait plaisir. Excellent, salle secrète, excellent. Le Ragman, allez, souffre. Vous avez vu le Lilispior, il est devenu rouge, il crache du sang maintenant. Je sais pas, c'est normal, mais... Ok. Il est devenu colère, quoi. Alors, encore un Sawler. On va clean tout, hein. Là, on se fait plaisir, maintenant. Salle secrète, potentiellement, ici. Yep. Wouah, le prize. Écoute, prends les clés. Pas tout un non plus parce qu'il y a encore des salles à faire. Ok. Fast bombs, ok. Ah écoute, ça peut être marrant. Les fast bombs, je sais pas ce que ça va donner mais. Let's go, on retourne dans l'autre sens, on va vite faire les deux salles qui restent. On les donnera bien sur le reste des clés hein, une fois qu'on a tout torché. Aïe 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 aïe. Ok. C'est une salle qui a pas mal d'objets, je crois pas. Hein. Alors retournons au petit bonhomme des clés. Ah, il y avait encore une salle là en rouge, j'avais pas vu. Ah, c'est une vengeance là-dessus aussi. Allez, boum, boum, et sus! Tellement solide ce boss. Dingue. Ok, une petite queue de plus pour se mettre bien. Allons-y, vas-y. Fais-moi plaisir, donne-moi plein de trucs. Non, non, pas ça. Ouf! On a réussi à sauver le truc. Command Cold. Putain, ça fait trop longtemps que j'ai pas eu le Command Cold aussi. Dingue. Yes. Bongo Baby, let's go. Coup de chouette, il m'a donné plein de trucs. Maintenant, on peut essayer de choper les trucs avec nos bombes. Alors des clés. Ah, mais j'aurais pu en convertir plus du coup d'objets. Ah, nul. Fastis. Bon, on va se dire. On va se dire à nouveau. Bon, on claque tout. S'il te plaît. No way! Such a troll. Ah. Bon. On a été au bout du truc. Ah, mais à chaque fois que je claque une pills, ça change de petit vie, bonhomme. Ah, ouais, je vois. Ok, cool. Bon. Allez hop. On le dévore, allez hop. Bon bah c'était pas mal. C'était pas mal franchement. Ah. Et voilà. Five Nights at Moms, on l'a fait. Donc... J'avais fait une pré-run du coup qui avait été validée. Je sais pas quel perso j'ai joué, mais je crois que j'ai joué 5 persos différents de suite. À la suite! Et du coup, on a débloqué les super rocks, a priori. Donc, ça, on peut enlever la liste. Ça, c'est bien déjà. Oh.
Donc voilà. On peut faire vite la daily run d'aujourd'hui. Pour le fun. Allez hop. Daily run, let's go avec Magda. Magda, je l'aime pas, mais bon. Pas de choix. Speed up, cool. Ah mais oui, je crois qu'elle commence pas avec une pile speed up maintenant, Magda, si je m'en souviens bien. Je suis plus trop sûr. Alors viens par là, toi. Viens là, viens là, viens là. Hé, hé. Allez, viens là, encore, voilà. Bien. Merde. Viens là, toi. Allez, faites-moi dessus, c'est pas grave. Hop. Ok. Ça, c'est intéressant comme ça pour moi. Surtout avec Magda entrée, faire des sacrifices de points de vie là. Excellent. Quoi, aller faire des dons directement? Let's go, hein. Magda, c'est un tank de toute façon. Elle sert qu'à ça. Tanker les trucs. Ok. Pas ouf, mais c'est déjà bien. On a encore des points de vie qui traînent à gauche à droite, donc ça va le faire. On va pouvoir faire le reste de l'étage. Certainement, on aura encore une fois le Yam Earth qu'on va pouvoir claquer. Ça va le faire. Magda qui a un très bon perso dans le jeu de cartes de Binding of Isaac aussi, au passage. Elle peut prévenir un dégât sur elle-même ou sur les ennemis. Du coup, elle peut foutre vraiment la merde sur la table. Et... c'est assez intéressant comme personnage. Trop bien. Juste trop bien. Ok. Ça marche déjà comment ça? Ouais, j'aime pas trop ça. Pour le moment, garder Liam Hart pour le recharger. Peut-être qu'après, on le changera à la fin de l'étage. Ah. J'aurais peut-être pas dû le sacrifier là et le sacrifier à la salle. Maintenant que je pense, j'aurais été plus intelligent. Hein. Certainement. La salle, c'est quoi? Doit être là. J'ai juste du mal à placer la l'araignée. Hein. On va faire péter lui parce qu'il a les pièces dans les yeux. Voilà. On va pas sacrifier encore, on va déjà faire le boss avant. Hein. On va pas déconner, on va pas crever maintenant. Pin, je crois. De toute façon, s'il y a rien sur la map, normalement c'est Pin. Hein. Qu'est-ce qu'il est beau, Pin. Il est tellement fort. Regardez-moi ce boss là. Waouh, tellement fort. Pff, dingue. Dur, Pin. Franchement, respect. C'était vraiment dur. Franchement, il a bien joué. Ah, c'était à deux doigts de que je perde. Hein. Franchement, là. Ouh là là. Ouh. Le pauvre Pin qui se fait troll. Ah. J'ai pas une descente plus bas. On va faire quelques dons de pièces à lui. Allez, sois cool, s'il te plaît. Donne-moi une clé pour ouvrir le marchand. C'était une clé chargée, hein. Je crois que c'était une clé chargée, donc lors du switch William Hart. Bon, c'est pas grave, on pourrait le marchand. Ouais, c'est pas fou, hein. On va faire péter ça déjà. C'est quoi, on va prendre ça. On va prendre ça. On va prendre le truc à l'arme et on va passer à la suite. Donc, ça, à chaque fois que je lâche une larme, bam, ça charge et après je peux. Faire péter tout dans tous les sens, voilà, simple. Donc plus vous avez une cadence excellente et plus vous avez des larmes bien, mieux ce sera. Please. Ah. Allez, let's go. Bon, je suis content, ma liste de challenge elle s'est quand même assez rapidement vidée du coup. Pas trop mal tout ça. Ok, qu'on va retirer tout en cœur, pourquoi pas, mais... pas trop ce qu'on a besoin non plus pour le moment. Cool ça. Ça me sert à rien, on va le laisser de côté pour le moment vu que ça se charge automatiquement. Brown Nugget, Friendly Fly. Ah ouais, ça c'est pas mal, j'aime bien. Ça invoque une fly qui va rester là où vous l'avez invoqué. Genre si je le fais là, elle spawn là et elle attaque tous ceux qui sont à proximité du coup. Ah c'est ok. Et ça se recharge au fur et à mesure dans la salle donc.
pas trop mal. Pas le meilleur objet du jeu, mais au moins ça tape avec moi. Et pour le moment, les dégâts que j'ai sont inexistants, donc c'est pas mal. Ok. On fait le boss déjà. Let's go. Aïe aïe aïe, j'ai foncé comme un imbécile. Une autre par là. C'est un peu la merde avec les cailloux pour qu'elle puisse toucher les mouches. Mais bon, de temps en temps elle tape, c'est ce qui compte. Aïe aïe, dégage. Quel enfer. On a mis du caca partout, c'est insupportable là. On n'arrive pas à se déplacer. On a une chier de points de vie, donc il a intérêt à me proposer des bons trucs là. Alors c'est pas des clés qui traînent ou quoi que ce soit. Ouais, on va le prendre hein, buddy. On a un autre à faire, ouais, ça vaut pas la peine de rester. Allez, allons-y. C'était pas fou, c'était pas fou, c'était pas fou. Ouais, franchement c'était moyen là. Ah non 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 non, not for me. On a une par vers le milieu là. Alors le buddy il est bien quand on peut rester sur place, sinon c'est un peu de la merde, hein, il tape jamais. Ah, quand vous êtes en mode standstill, il tape avec vous, sinon bah c'est pas le cas. Et vu qu'il vous suit avec à peu près 3 secondes de retard je dirais. Ah, il va pas taper souvent quoi. Elle bug un peu, on dirait qu'elle est en mode je la suis pas. Chelou. Ah cool. La cadence de tir, c'est bien ça. Ok. Ouais, je l'ai peut-être invoqué trop loin. En soi, on pourrait déjà faire le boss, mais. Ouais, je sais pas. J'ai envie de faire la salle d'or avec un... avant quand même. Voir ce qu'on chope. Et potentiellement aller tuer le marchand pour y. Des chances de faire spawn le petit pacte. Aïe 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 aïe. A l'aide! Mais ils sont solides ces trucs! Mon dieu, j'ai pas de dégâts! Bon, on va déjà le faire péter. Ok, on va acheter ça pour la protection. Ah, je peux pas. Est-ce qu'on peut choper une pièce? S'il vous plaît, bébé malade? Non? Ah, ils sont pas trop chauds avec le bébé malade. Je pense que la salle dorée est vraiment à une ou deux salles, donc on va vite aller explorer le reste qui nous reste. Espérons ne pas prendre de coups. Ok, là, juste après. Ça, ça va, c'est une salle gratuite la suivante, espérons qu'elle soit dans le même état. Voilà.
C'est marqué le caillou, j'ai même pas fait attention. Cool. Bon bah c'est pas trop mal. L'objet est pas fou mais ça va augmenter mes dégâts. Et tout ce qui augmente les dégâts là on prend. Là au point où on en est, on n'a pas trop de choix quoi. Tac, tac. On va prendre ça. Juste pour augmenter les odds de l'avoir. Ok, je me fais toucher. Ok, Gurdy. Aïe, 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 aïe. Aïe 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 aïe, je fais des moves de cul. Okay, bon, de toute façon on peut le prendre parce qu'on a une shit point de vie. Oh shit. Here we go again. Attention, 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 ça spin. Allez les mouches. Mon dieu. Alors Red Patch ça va être excellent, surtout avec Magda. C'est un peu des builds un peu tanky. Je crois que je vais prendre ça parce que les mouches là, elles commencent à manquer de dégâts et il me faut un gros burst au cas où. Ce sera mon panic button. Pam pam. Elle est en plein dedans. On va rester loin. Ok. Meurs. Merci. Ah là 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 là. T'as vraiment fait ça, Silent. Eh hey, mais c'est chaud là. Pas le choix en fait, c'est con, con hein. Ah, en plus c'est une salle à la con où il se passe rien. Mais t'es sérieux. Par contre j'ai remarqué que... Ok, là je peux rush. Le cœur supplémentaire qu'on a là... comment dire... Il... Quand on prend des coups dessus, ça nous réduit pas les chances d'avoir... impact, ça c'est cool. Ouf. On les maintient loin. Ok, on va pas se prendre celui-là, on va prendre celui-là plutôt. Et on y va à nouveau. Let's go. Bam, bam, on va attendre un peu. Ouf, putain. Quand je me suis bouffé le coin, je me suis dit merde, je suis dans le cac. Oulala, 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 oulala. Reste loin, reste loin, reste loin, s'il te plaît, reste loin. Ça me fait chier. Bon, une pièce et le marchand c'est worth it. Ok, ça lui bosse enfin. Ah. Allons marchons déjà. Jesus. Why you do this? Aïe 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 aïe.
sais pas pourquoi j'aime pas cette run, je sais pas ce que vous en pensez, mais je l'aime pas du tout. Ah là là, Magda, c'est vraiment ça, quoi. Tout le temps, t'as côté truc tanky et t'attends de pouvoir faire quelque chose pendant tellement longtemps. Waouh là 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 là. S'il te plaît, un boss simple. Ouais, ça va. Oh, merci, les dégâts. Oh, thank you. C'est pas beaucoup, mais je prends. Je prends tous les dégâts supplémentaires, c'est les dégâts là. Ah, bon, on doit aller jusqu'à Mamzart, hein, si je dis pas de bêtises, vu qu'il y a un cœur qui est dessiné, donc ça devrait le faire. Mais j'ai un peu plus de dégâts, ce serait pas de. Waouh, pas ça. Waouh, ok, let's go. The fart baby. Il va acheter gros gaz. Voilà, il a pété, c'est excellent. Tout le monde est content. Alors, on va se mettre là pour le buddy. Tac, décale, tac. Wow, wow, doucement. Ok. Prendre à droite. Ok, bon ben, je sais pas ce qu'on va pas prendre à droite. Alors, reprenons à gauche. Ok. Let's go. Ok, salle simple. Cool ça, on va perdre de temps là-dessus vu qu'on a une recharge. Ok, des Sourlords, ça c'est toujours bien. Et bon, on a déjà 7 points de vie en soi. Vite, 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 vite. Allez, à droite. Ok, continuons, nul sur 10. Ah, attention, attention. Pas forcément une salle dure, mais voilà, autant la clean, ça c'est fait, on perd pas de temps. Anémique, toxic blood, je crois que c'est quand je me fais toucher, je empoisonne les gens, un truc dans le genre. Je me souviens plus trop. Lâche du sang par terre et ça fait des dégâts. Tout dans le genre, je crois. Je suis pas sûr du tout. Mais je crois qu'on est dans ces eaux là. Ok, on a une pilule qui nous fait de la speed down. C'est excellent. Alors, ce qu'on peut faire, c'est. Genre, on achète ça. On achète ça. On prend une carte, Devil, là, on s'en fout, hop, et on va reroll ce machin. Dice. C'est nul. Ah, putain. Ah, j'ai voulu être plus intelligent que le jeu, mais le jeu m'a dit, écoute, tu n'es qu'un vieux péon, retourne couper du bois. Et ouais. Arrête de péter le farting baby, c'est dégueulasse. Ah, ça fait un peu chier, on est à quoi? Death One. Bon, faisons déjà le boss. Espérons un pacte avec Satan. On va peut-être tuer le marchand. Je sais pas si je l'ai fait pour augmenter les odds. Badabada. Voilà, plus 5%. On prend. Ça aussi, tant qu'à faire, histoire de le one shot au cas où on n'a pas assez de dégâts et qu'on galère. Ish. Ok. 77,5%, il ouvre pas ses portes, mais quel enculé. Ah, je l'aime. Ah putain. On peut pas aller là. Oh là là, on peut aller là. Speed down, excellent. Oh là là. Question marks. Cash. Question marks. Pas cool, vraiment pas cool toi. Toi t'es un peu méchant, un petit peu. Ah, mais arrête avec tes trolls bons, chiant.
Ah, les conneries commencent. Les conneries commencent. Ok. Attention, attention, attention. Silent, il doit y avoir une troisième, une quatrième même. Allez hop. Toute la famille. Ok, continuons par là. Les petits pecs font plaisir. Ah là 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 là, ah là là, arrête de faire le con, arrête de faire le con, Silent. Là c'est plus le moment, c'est plus le moment. Ça facile. Les petits pets de Farting Baby, excellent. 404 not found, je sais pas vraiment ce que ça fait, mais je crois que ça empêche quelques trucs d'apparaître. Maintenant quoi, je sais plus de tête exactement. Prendre ça, on va voir le marchand. Badabadam. Faire péter ça. La boussole, ça me sert à rien. On continue de faire péter. Vas-y, vas-y, vas-y. Le sac. Sakizaka. Alors, notre salle devrait trouver un corps. La salle du boss qui devrait être pas très loin de là où je suis, je pense. Avec un peu de chance, les deux sont côte à côte. Ok, bon. Aïe 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 aïe. Aïe aïe aïe, bon, on a 100% de chance d'avoir Satan. Ne gâchons pas ça. Ne gâchons pas ça, ne gâchons pas ça, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, crevez rapidement, si vous voulez bien. Toi aussi, meurs, 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 meurs comme tes congénères là. Merci. On va péter ça. On va se barrer. On récupère le cœur. Et on va aller chercher la salle dorée qui doit être tout en bas à gauche là. Il n'y a pas d'autre endroit où elle peut être de toute façon. Tac, coucou. Qu'est-ce que c'est que ces mouches? Ok, Kiss of Death. Qu'est-ce que ça fait? Ouais, je crois que c'est une chance d'empoisonner. Hein. Tire les pills. Bon, on la prend, comme ça on peut aller dans, la... dans le boss rush et se barrer directement, je pense. Meilleur truc à faire. Au marchand, est-ce qu'on a des trucs à prendre à une pièce? Non. Non. Peut-être qu'on aura assez pour acheter un Soulheart. Ouais, c'est possible. Selon ce qu'il y a dans ce sac là. Aïe aïe aïe, je fais n'importe quoi. Je fais n'importe quoi. On va aller reprendre des points de vie parce que j'ai pas envie de niquer la chance de faire apparaître Satan. J'ai vraiment besoin de dégâts quand même parce que. Vaut mieux que je perde du temps à aller récupérer ça. Et avoir Satan à coup sûr que ne pas le récupérer. Ah, je suis obligé de passer par cette salle, merde. Oh là là, c'est pas tout le plus simple. Parce que il sautille dans tous les sens, ces machins. Ça peut être chiant. Selon où il atterrisse. Si c'est sur ma gueule. Ok. Donc, on peut prendre un coup. Pas mal. Ah, le TP. Ok. On va aller chercher d'autres. Ok. Alors là, j'avais trouvé le marchand ou pas? Non. C'est dingue. Je savais pas que je pouvais me faire TP dans le bas du marchand, enfin du secret. Je l'avais pas ouverte, hein. On est d'accord. Là je me pose des questions maintenant, je me dis mais je suis débile à ce point d'oublier. Ok bon, au moins on a ce truc. Ok là c'est bon, le pacte on l'a, on peut aller chercher le Soulheart chez le marchand. C'est bizarre, hein. Je sais pas, c'est la première fois que ça m'arrive de me faire TP là-dedans, vraiment. J'ai pas une perte de temps, du coup on va juste péter ça. Sous le faire un petit contour à la con, là. Allez, on prend ça et on se barre. Ah, les dégâts, ils sont way over the top. Hein. Là, fou là là. Je fais déjà l'eau avec ce build. L'un ou l'autre, ça change pas grand chose. Alors, sans hésiter, on va sacrifier le body. Allez, ça dégage. On va prendre Maggie. On peut prendre ça. Allez, hop. Et hop. Et voilà. Encore deux étages, et après, c'est fini pour cette vidéo qui commence à être longue. Une heure.
C'est pas trop mal. Butterfly, excellent. Paralysis, c'est un peu chiant. I found pills, ok, rien de mauvais là-dedans. Avec tout ce qu'on a chopé, je crois qu'on a rien chopé qui augmente les dégâts. Hein, si je dis pas de conneries. Hein. Oh là 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 là, c'est long. Allô, tu veux sortir? Eh ben. Ok, bon, on va déjà le prendre comme ça. La prochaine salle qui chante, bam, on fait tout péter direct. Alors, pas ça, ça c'est une salle qui est simple. Mais la grosse salle juste après, elle peut être casse-couille. Des petites bombes, cool. Ça c'est fait. Ok, prenons ça, mettons le cœur. Ils sont quand même sympas ces petits cœurs là, du coup. Non. Je savais pas vraiment le fait que, comme j'ai dit, de... je perds mes mots. Comme quoi ça te protégeait en fait pour les pactes et tout, donc c'est vraiment bien. Oh là là, ce build, mais... Où sont passés les dégâts, quoi? Arrête, c'est quoi? Vas-y, hein. Ah, mon dieu! Ma guerre de faire attirer, c'est horrible! What the fuck, les cœurs noirs? Tiens, meurs. J'ai pris le gros pentacle dans les dents là. Pas tenu très longtemps. Ah, mais je fonce dedans. Alors, je sais pas d'où tombent ces cœurs noirs, mais je dis oui, hein, je valide complet. Ça c'est le genre de salles qui font plaisir, elles servent à rien, on se demande encore qu'est-ce qu'elles font dans le jeu. Alors j'ai pas utilisé mon livre, enfin mon Head of Krampus, parce que j'en aurais besoin pour le boss et je pense que je suis pas très loin. Hop, salut. Tac, on pourrait faire ça. Allez. Selon sur le boss sur qui on tombe, ça peut être sympa, genre Gurdy Mama ou je sais pas quoi là. Ouais, pas ça quoi. Aïe aïe aïe, quel enfer. Alors quand j'avais 70%, il voulait pas ouvrir ses portes et là il ouvre ses portes directement. Eh Satan, je ne te fous des baffes mais je te jure. Vas-y. Pour le beau jeu, on prend ça et on y va. Le Body Friends qui sert strictement à rien là dans le marron, mais... Ah, voilà, il est là, hein. C'est ça qui compte. Ah, Pretty Fly numéro 2, speed up, ça c'est cool. Ah mais on manque tellement de dégâts, mais je vous jure, c'est une horreur quoi. On est bientôt au point de non-retour tellement on n'a pas de dégâts quoi. Allons checker, on sait jamais. Ouais, ça peut être intéressant. Aïe aïe aïe, la bombe. Alors, je sais pas c'est quoi qui me fait autant de cœur noir, mais j'apprécie vraiment. J'apprécie le geste. Again. Trop bien. Another one. Another one. Ah, je vais faire un pentacle, mais c'était pas une bonne idée. Brrr. En tout cas, un plaisir de jouer Maggie. Hein.
plus jamais quoi. Perso il me sort par les trous de nez d'une force. J'ai vraiment à chaque fois mais tout le temps l'impression d'avoir le même build. C'est juste un sac à points de vie qui fait rien. Et c'est pas intéressant jouer du coup. J'ai pas de jouer un tank dans un jeu comme ça. Allons voir. Ah là 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 là. Cool. Ouais, ça va pas prendre. Ça c'est pas mal, mais j'ai pas besoin de me faire plus de points de vie, je pense. Pour le moment. Non, arrête, arrête de faire le con. Silent. Ah merde, il a lâché du sang par terre celui-là. Ça commence à sentir mauvais. Oh là 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 là. Je me place tellement mal. Oh mais quel miracle. Mais je suis sauvé parfois par le jeu, mais c'est un truc de fou hein. Ok, doucement, 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 doucement. On va le tuer, doucement, on va l'avoir. Oui, j'aurais pu casser quelqu'un, mais ça me saoulait. Ça me saoulait tellement. C'est chiant comme ça. Ok. Bon, on n'aura pas du coup pour le boss. Testons. Des patterns que j'ai plus vu depuis tellement longtemps. Oh non, pas invocation de chob. Tout ça quoi. Ça va le faire. Eh, c'était pas donné hein. C'était pas donné comme run. Putain. Bon. Moi c'est bon pour aujourd'hui. J'ai fait ma petite run, j'espère que ça vous fait plaisir. N'hésitez pas à liker, partager, commenter comme d'habitude. N'oubliez pas que le jour de la sortie de Repentance, je vais certainement faire un live. Je vais essayer de le diffuser sur YouTube et sur Twitch en même temps. Comme ça, ceux qui sont pas sur Twitch, ben voilà, c'est pas grave, vous verrez sur YouTube et puis voilà. Et puis sur ce, à très bientôt. En tout cas, ça fait un plaisir. Puis voilà, likez, partagez, commentez. Ciao.